Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres rares. Alors pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tout leur emplacement. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de tout simplement tuer les boss avec leur médaillon. Donc regardez, comme ici, là, il y a un boss avec un médaillon. Ce qui est bien, c'est que quand je vais le tuer, je vais pouvoir obtenir son médaillon et accéder à une chambre forte. Et dans cette chambre forte, ben, vous avez de grandes chances de trouver des coffres rares si ce n'est pas obligatoire. Parce que ben, je pense que normalement, on a obligatoirement un coffre rare. Donc ce que vous faites, c'est que vous essayez d'éliminer le boss. Donc je ne sais pas où il est, je vais le chercher. Ok, donc regardez, juste devant moi, parfait. Là, je viens de le tuer. Donc maintenant que je l'ai tué, je récupère déjà son arme qui est super cheatée. Voilà, je récupère le médaillon, bien entendu. Oh, faites très attention aux autres joueurs. Et dès que vous avez récupéré le médaillon, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous diriger vers la chambre forte. Donc vous mettez devant le verrou pour que ça se déverrouille. Et normalement, logiquement, il y a toujours au moins un coffre rare à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va regarder. S'il n'y a pas de coffre rare, ben, faudra aller visiter un autre emplacement. Mais ouais, regardez, il y a toujours, voilà, il y en a même deux. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en fouiller deux. Donc si vous faites, c'est d'en fouiller cinq. Donc si vous faites 3 chambres fortes, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Coquette.